Bienvenue dans ma chaîne Histoire ce soir. Encore une fois, je suis avec vous et je suis encore dans le café. Je voulais profiter de mon occasion, l'occasion d'être dans mon café. Et après avoir publié une vidéo sur cette place de Casablanca, du centre de Casablanca, au Passo Tramway, où il y avait, comme je voulais montrer, un fameux groupe musical qui jouait une grande chanson au thème de Californie, merveilleusement. Et je voulais profiter de ma présence ici en consultant, en lisant un dossier qu'a publié Le Point il y a quelques années sur l'éducation. Comme vous le voyez, voilà, j'ai devant moi ce dossier, cette revue de Point, et qui est axée sur l'éducation. Voilà, et dans ce dossier, il y a de grands écrivains, de grands penseurs comme Platon, Montaigne, Rousseau, Comenius, Montessori, Piaget, Freinet. Et voilà, le dossier prenait comme titre avec l'éducation idéale, les textes fondamentaux. Donc, je suis en train de lire cette revue. Et je profite de l'occasion pour dire que l'éducation est une chose indispensable, une chose primordiale dans notre société pour relever les défis, les grands défis du troisième millénaire, et que le fait de vous montrer et de vous faire passer ce groupe musical pour vous dire que parmi les choses essentielles dans l'éducation, c'est faire relever et faire développer le goût de la population, du public, et donc faire rehausser le goût pour l'art, pour la musique, et pour les choses de grandes sensations. Voilà, je voulais passer ce petit message, et je me rappelle du grand Mandela, ce Mandela, qui faisait de l'éducation, qui faisait de l'éducation d'un peuple, d'une population, d'une nation, comme chose primordiale pour relever les défis, pour faire accès le pays au développement et le rehausser et de le faire intégrer parmi les nations civilisées et les nations qui pourront dire leur mot dans l'avenir et dans le futur prochain. Oui, voilà l'éducation idéale. Nous en avons besoin pour notre nation. Et je sais bien que ce problème est crucial, et il y a un manque flagrant dans ce domaine. Et nous devons prêter attention avec grande vigueur. Il est urgent de le faire. Voilà. Merci de votre attention. Merci de votre suivi de ma chaîne Histoire du Soir. Merci beaucoup. Une nouvelle histoire, à la prochaine et à très bientôt.